quiz. Et tu le racontes à tes copines. Alors, c'est un bon goût ou pas? Franchement, ils se contentent juste de frapper. Super déçus, etc. Et tout. T'imagines le choc? Frapper, c'est basique. Non mais t'as rien d'autre, connard! Parle-moi en allemand! Parle-moi en allemand! Vas-y, choque-moi le visage, étouffe-moi avec le poing, étouffe-moi avec le poing! Waouh! Quand c'est que tout n'arrive, j'ai eu 50 nuances de gré. Tiens, avec une petite pisseuse, c'est de la merde. Va chercher le marquis de Sade. Là-dedans, ça, c'est un mec qui s'est niqué les femmes. Ça, c'est un vrai. Ça, c'est viril. Hein, un mec qui balance des cicatrices sur le vagin, etc. Wow! Mais derrière, j'ai la satisfaction sociale. Je peux en parler. J'ai des balafres sur tout le corps. Je me suis fait saccager. Le kit de la féminité. Et puis cette éducation, je me suis dit, mais purée, comment elle peut arriver à dire de telles choses? Et Internet perverti des hommes. Moi, je les connais, les sites porno. RedTube, YouPorn. Puis porn poney aussi. Cette virilité que tu as dégagée, et puis en portant double marine et en ayant un nom à consonance bretonne, je me suis dit, ah, il y a un peu de Marine Le Pen, en plus. Il y a quelque chose qui physiquement ressemble à tout ça, politiquement, je sais pas où tu en es. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a eu une inversion, toi non plus. Ça arrive, je t'inquiète pas. Il y a eu une inversion des rôles. Je pense que tu étais en réalité en train de soutenir le oui, tu l'as mieux fait que. Tu veux soutenir le oui. Quoi qu'il en soit, et je sais pas si on aura l'occasion de reprendre la parole après pour dire qui a gagné, qui a perdu, si, j'imagine. Oui. Bon, bah, je dirais des choses agréables à ce moment-là. Pour le reste, merci beaucoup. Le jury va pouvoir maintenant se retirer et définir leur son infinie bonté, trois gagnants parmi nos six candidats. En attendant, je me permets de vous rappeler que nous avons bientôt le concours d'éloquence qui approche et que les élections auront lieu le 1er et le 3 février de l'année sainte 2016, et que tout le monde peut participer, bien entendu. Seuls les membres de l'association Plaid seront là pour vous juger, avant que les avocats aussi agressifs que nos deux représentants ce soir décideront de vous mettre. Merci à vous, bonne soirée. Vous pouvez attendre les résultats, ils vont revenir dans 2 minutes. Le jury a choisi les gagnants. Et c'est lui. Ces deux hommes qui vont vous annoncer qui sont les trois gagnants de ce soir. Alors, sur le sujet, le féminin du directeur est-il la femme du directeur? La réponse sera donnée dans quelques instants. J'aimerais tout d'abord, parce que c'est la première fois que je suis invité ici, vous remercier réellement et présenter mes excuses pour ceux que j'aurais pu vexer. Le grand bonheur qu'il y a pour moi, c'est qu'il n'y a pas de noir dans la salle où le gars s'est déjà barré. J'ai peur qu'il sorte de vendetta sur sa gueule et je pense qu'il est taré, etc. Pour tous ceux qui n'ont jamais participé à ce type de concours, j'imagine que vous êtes un peu surpris du traitement qu'on en fait. Vous attendiez sans doute à quelque chose de pédagogique, de didactique, on a respiré, à articuler, on peut le faire également, mais ça fait chier tout le monde, hein. Ça ressemblerait longuement au discours d'Augustin. Ce qui est important, c'est d'avoir fait ce que vous avez fait. Je crois savoir que pour certains c'est une récidive, pour d'autres c'est une nouveauté. Et en tout état de cause, quel que soit le niveau que vous avez eu, quels que soient les gagnants que nous avons désignés, voire les gagnantes que nous avons désignées, je vous remercie vivement de l'avoir fait. Je trouve ça génial de votre part. Vous me rappelez toutes mes années universitaires, toute la légèreté qu'il peut y avoir à ça, et le foutage de gueule intégral qu'il y aura dans les couloirs après sur vous. Et c'est fondamental parce que ça fait partie de la vie universitaire. Reste que vous l'avez fait, là où ceux qui jacteront sur vos gueules n'en vont jacter nulle part ailleurs que dans les couloirs. Merci à tous et merci à vous. Reste à annoncer les personnes victorieuses ce soir
Alors, sur le sujet, le féminin du directeur est-il la femme du directeur ? Noël. Grosse soirée. Le seul moyen qu'ont trouvé les femmes pour trouver du travail, Elisa. Tape ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Gwenaëlle. Charles est célibataire. Le choix pas ce soir, c'est quand même un scandale. Il m'a contraint à ce choix. Merci. Voilà. Bravo. Merci à tous.